Bonjour, bonjour. Je vous prends pour faire un petit tour du chantier, un petit update. Là, on est le vendredi 10 juin. Là, on est quasiment bon au niveau du placo. Je vais vous montrer l'évolution un peu de la maison. Bon, déjà, on a tout débarrassé parce que c'était un peu le bazar. Donc là, voilà, la plupart des enduits sont faits. Les plombiers sont venus mettre ce radiateur là. Là voilà, comme je vous dis, les enduits sont quasiment finis. Il y aura juste les quelques portes à poser. L'arche aussi a été faite. Il nous reste ce petit bout-ci. L'arche a été faite. C'est vraiment canon, moi je suis très 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 contente. Et pareil, le salon est quasiment fini. Là on a fait la colonne pour accueillir tout ce qui est compteur. Enfin en Belgique c'est comme ça en fait. On ne peut pas déplacer ça dans d'autres pièces, donc ça va rester là. Et comme en fait on va devoir faire deux caissons parce que le tableau est assez grand, ça va monter assez haut. Donc j'ai dit mon père, écoute, fais-moi un caisson jusqu'en haut et ça fera aussi bien. Là on doit mettre le volet, la porte d'entrée. Mais voilà, vous voyez que les enduits sont vraiment c'est vraiment la fin. Là il y a déjà eu un petit coup de ponçage. Là aussi pareil, il nous reste vraiment des petits coins un peu embêtants. On va mettre la porte ici. Bon, la buanderie c'est la pièce la moins finie puisque c'est pas une pièce vitale entre guillemets. À l'étage. Là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va peindre. De bain. Ouais, le radiateur a été posé. On doit juste remettre toute la laine de verre pour là. Le radiateur a été posé, le sèche-serviette. On a fait les évacuations. Ici pour la douche. Et le toilette suspendu qui va venir ici. Ça c'est mon bac de douche à carreler. La salle de bain, il y a encore un peu de travail, surtout débarrassé. Ma chambre, c'est quasiment fini. Il me reste juste à faire ce mur-ci. Vous voyez, on a refait un peu d'enduit. Parce qu'il y avait 2-3 petites choses qui n'allaient pas. Donc là on va juste reponcer ici pour pouvoir peindre. Et pareil, le bureau. Il y avait 2-3 petits trucs que j'ai fait reprendre. Et là on va peindre. Ici vous voyez, ça avait été l'enduit. En fait quand j'ai peint il s'est enlevé, donc on a re-enduit. Et sur le côté aussi, ici aussi. Et au plafond, il y avait aussi eu un petit problème au plafond, mais c'est rectifié, donc aujourd'hui on va peindre. J'ai pris cette peinture-ci pour juste un mur, ça sera la même peinture pour le bureau et la chambre, ces peintures-ci de chez Leroy Merlin, donc il y aura ce mur-ci, tout le reste ça sera en blanc. Je vais faire la deuxième couche, là aussi on doit reponcer cette bande-ci qui avait craqué, et ce mur-là, en couleur. Donc voilà, comme vous voyez, on a super bien avancé. Je suis pas forcément parce que en fait, je suis pas tout le temps là. Là c'est le plaque qui fait aussi, qui fait beaucoup, et je suis pas avec lui à Gen 4. Donc c'est pour ça. Mais ouais, je suis vraiment contente. On avance super bien. Le parquet est déjà dans la chambre. Donc je pense qu'à la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à poser le parquet, etc. Je suis vraiment désolée de ne pas être aussi active qu'avant, mais en vrai, honnêtement, je commence à être vraiment très fatiguée psychologiquement et mentalement et psychologiquement et physiquement, c'est assez lourd. Les travaux, ça fait quand même plus d'un an qu'on y est, ça devient très très fatigant. J'ai vraiment hâte d'y être. Donc voilà, moi j'ai poncé un petit peu ici pour que je puisse peindre. J'ai poncé pour qu'on puisse peindre là. Et voilà. De toute façon, je vous mets la GoPro, je pense. Je vais voir si elle est chargée. I want.
parce que j'ai oublié de mettre une carte mémoire dans mon appareil photo, mais c'est pas grave. On est en train de faire la douche et toilette, donc tout ce qui est rail, etc. En tout cas, je vous ai mis une GoPro pour que vous voyez. Et en fait, le petit souci, c'est que de base, je voulais une niche là, dans la douche, mais ça n'a pas été fait. Donc, j'aurais juste des étagères. Je veux juste du rangement en fait, c'est pas très grave que j'ai pas de niche. Puis en plus, en réfléchissant, avec le carrelage que je vais mettre, ça sera encore plus beau quand même s'il n'y a pas de niche. Donc, on avance doucement mais sûrement. Là, je suis contente, on va enfin voir les vrais volumes entre guillemets de la salle de bain. Et je vais vous montrer aussi, j'ai fini les peintures des chambres. Tout fini. Voilà le résultat, je suis trop contente. C'est super bien resté. Bon, on va encore faire les fenêtres, mais bon, ça sera vraiment en dernier. Et donc ben voilà, on va pouvoir commencer le parquet dans les chambres. Il faut juste qu'on rebouche les trous là. Mais je suis contente, c'est vraiment resté nickel chrome. Et juste ici, il faut que je repense un peu parce qu'il y a eu des petits soucis avec la peinture, je sais pas ce qui s'est passé. Et les portes aussi, il faut que je les peigne. Et dans le bureau, voilà, ça aussi était fait. La référence de la peinture, c'est la Trench 6, il me semble, de chez Laurent Merlin. Et elle est vraiment très très belle. C'est une matte, elle est trop trop belle. Franchement, je l'ai mis en une couche un peu épaisse, mais une couche et c'est resté nickel. Voilà. Bon, c'est presque fini. Il nous manque un rail. Voilà. Il nous en manque un, on n'en a plus. Donc on va aller chez Laurent Merlin en chercher. On avait donc la petite étagère qui accueillera les produits. Et je veux aussi un petit siège ici pour dans la douche. Je trouve ça super pratique. Et donc là, hop, les robinets vont sortir par ici, de l'autre côté. Il y a un spot. Ça prend forme, ça prend forme. Bonjour, bienvenue à la maison aujourd'hui et on se trouve avec un tableau électrique. Je vous montre. Tadam ! L'électricien est venu installer le tableau. Normalement tout est en marche. Tout est en marche. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est un coffrage un peu comme ça. Et en dessous, hop, j'ai accès au reste quoi. Je vais mettre on mettra de la laine. Hein. C'est juste qu'on l'a pas encore fait, mais on va isoler. Et aussi tout aspiré, etc. Mais voilà, le gaz et les compteurs sont accessibles par ici. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les prises qui sont installées. Et en haut, il me semble que il y a des choses qui ont été faites aussi. Ah, ouais. On a commencé à plaquer cette partie-ci, quoi, de la douche. Une toilette. Cette toilette est totalement plaquée. Là, va venir la porte. Et là, ben, mon midgeur et hop, on sort la prise ici. Voilà, là je serai dans ma petite douche. Franchement, ça avance super bien, je suis trop contente. Très très contente. Aujourd'hui au programme, vous voyez, il y a de l'électricité, c'était reste allumé. Super. Alors je dis aujourd'hui au programme, c'est de reboucher les trous pour pouvoir commencer la pose du parquet dans les chambres. Je pense que je vais retirer ça, j'aurai avec mon père. Le couloir n'est pas encore fini en peinture, là j'ai acheté de la peinture, mais je le ferai moi. La peinture je ferai, c'est pas très grave. On va attaquer le parquet au moins dans les chambres pour que je puisse commencer à déménager mon box déjà.
et avancer un petit peu, pas tout faire tout d'un coup. Là j'attends mon père, on va faire ça et aussi le trou de la chaudière ici. Vous voyez, là il y a un trou. La chaudière ici, on doit faire un trou pour mettre ça là. Donc on va faire ça aujourd'hui. Voilà, à tout à l'heure. Pour boucher. Ouais. Là, si c'est bon, là on va couper ici. Tout y en bas, ouais, vissage, tout y en bas. Ouais. Bon. Oh. Je trouve avec une chaleur, il fait super lourd aujourd'hui. Et on est en train de mettre l'isolation, enfin la sous-couche de parquet. J'ai trop chaud. Je suis aussi rouge que mon t-shirt. C'est vraiment super chaud. Et là, on va juste. Parce qu'il y a des endroits que c'est pas bah, là, par exemple. Et là, on doit combler. Donc, on va faire ça. Préparer un max au mieux pour les. La sous-couche, quoi. Et pour la sous-couche, j'ai pris ça. Donc, ça devrait être pas mal. Je vous pose et je vous montre ce qu'on fait. Bon, on se retrouve à la maison. Autant hier c'était la canicule, il faisait super chaud. Autant aujourd'hui c'est le déluge. Ouais. Voilà. Donc, on va commencer le parquet, vraiment, dans la chambre. Hop, j'ai la GoPro qui est ici, je vais la mettre quelque part. Je prends du haut. J'ai mis une petite lampe parce que c'est assez sombre à cause des orages. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et voilà, la chambre est finie. C'est trop beau. Et franchement, il est trop beau le parquet. Il reste plus que les plaintes. Ouais, les plaintes et le petit bout là-bas. Mais ça, on le fera avec toutes les chutes qu'on aura. Ouais. Et les plaintes, quoi. Trop beau. Et vrai, nickel. Merci papa. Bah, je t'ai aidé, pas mal, hein. Oui, c'est vrai, marché. J'ai bien, moi, j'ai été le parquet, moi, c'est mon truc. Et ma soeur, elle a fait le couloir en prenant peinture. Ah, la loge, elle nous fait une boîte de trucs. Et ma soeur, elle est là-bas. Là. Jenny! Attends, ne vois pas encore. Attends, ne vois pas. Ah, c'est bon, je te vois. Ma soeur, elle récolte des cerises là. Parce que l'arbre, il a vraiment donné beaucoup, beaucoup. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va, on est à la maison, on se retrouve à la maison et on va commencer, oula, si je cadre pas, ça va être compliqué. On va commencer la chambre, enfin le bureau au niveau du parquet. Je suis un peu en avance, mon père ne veut pas arriver de suite, je vais ouvrir la fenêtre. Il fait super beau aujourd'hui, il fait pas trop chaud. Tout ce qu'on demande. Mais Elias, il faut que tu arrêtes d'aller sur le bord de la fenêtre, t'as pas le droit. Non. Bon, bref. Je disais
sais, on est dans, là on est dans le bureau. Je vais débarrasser tout ça et je vais mettre ça dans ma chambre. Je vais mettre les cartons et tout pour pas qu'on abîme le sol. Et et comme ça, quand mon père arrive, on sera prêt et j'aimerais aussi même commencer à mettre les plaques vertes là avant qu'il arrive, comme ça. Tu peux arrêter de montrer des fesses à tout le monde, toi? C'est pas possible, ça. Et oui, oui, chat, mon chat. Et voilà, bref, je fais ça et je vous reprends. Bon, voilà, c'est débarrassé. J'ai chaud. J'ai déjà chaud, je vais attacher mes cheveux parce que sinon je vais avoir beaucoup trop chaud. Là je vais commencer à mettre la laine de verre. Je vais attendre parce que mon père va reboucher ce trou, donc je décalerai, bref, c'est pas grave. Il fait chaud, ça y est. Ça y est, j'ai chaud. Samedi j'étais chez Ikea. Bah, j'ai bien hâte d'acheter. J'ai repéré déjà tout ce que je veux pour le bureau. Ah, voilà. Bon allez, je reprends et je mets l'air. À l'endeur. Bon, c'est quasiment parfait. C'est quasiment parfait. Il reste juste quelques découpes là-bas. Je vous montrerai. Faut juste faire une découpe ici. Pour le rentrer là et faire enfin, ici là les petites découpes ici et là, voilà. Mais c'est parfait quasiment. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et là en dessous des deux là il y a la petite petite roue. Moi quand mon père elle va arriver il y aura pas grand chose à faire et je pense que on va encore utiliser une et là en moins il nous en restera assez. Pour faire le reste, il nous reste une ici, deux, pour faire tout le couloir, tac, 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 et là. Normalement, le compte est bon, j'espère. J'espère vraiment, au pire sinon je vais en chercher, mais bon, normalement le compte est bon. Et bon, ben là, il me reste plus qu'à attendre mon paps. Je vais aller un peu dans le jardin, le temps qu'il arrive. Et celle-là aussi. C'est bon, mes vis. Là, il y a vis à placo. Ah, c'est bon. Ah, c'est des petites. J'avais pas des grandes vis avec moi. Dans ta sacoche, peut-être? Non, non, la sacoche, je crois pas que j'ai des vis. Papa, content? Très content. Ouais, voilà. Il est vraiment beau le parquet. Très content. Bon, il y a le plancher. Il monte un peu là. Il y a le plancher, mais bon, après c'est tout. Hein. Défauts, mais bon, pour une première. C'est de la rénovation de toute façon. Pour une première maison, on va pas non plus. Le principal, c'est que ça soit propre. Ouais. Et donc. On explique les plaintes. Demain, on va attaquer le couloir. Le couloir, ouais. Et mercredi, le sas. Ouais, c'est ça. Mercredi, ouais, le sas. Tout à fait. Et après, ben, j'irai acheter les plaintes. Hein. Ouais, il restera tout le couloir. Chercher les plaintes et mettre les plaintes. Je vais voir. Ça rentre en entier comme ça? Ici? Je vais voir si on n'aura pas trop de découpe à faire. Ouais, ouais, nickel. Ouais, ça rentre. Top. Donc ça, il reste 1, 2, 3. 3 trucs comme ça? 3 paquets, c'est bon. Après, c'est des 7 mètres et demi. Hein, après, ton carré. Hein. Passé.
Bah, c'est des, si, si, c'est des 7 mètres carrés et demi, donc il va y avoir Bon, assez. voilà, Ouais, trop cool. Bon, bah, les amis, à la prochaine. Adams, moi je vais travailler. Moi, je vais cueillir la cerise. Ouais, il y a encore plein de cerises dans le cerisier là-bas, avant le club. Et nous, on y a demain. J'avais que j'en avais, mais il faut que j'y reprenne. On commence par le bureau? Ce sera le plus simple. Mais je me prépare pour travailler ici. Non, je sais, mais je te demande. Il faut mettre un petit coup de balai le long des murs. Je l'avais déjà fait ici. Non, non, je prends le bureau. Et si tu l'as pas fait au bureau, faut... Non, le bureau, non. Il y avait un deuxième balai, de toute façon, non? Non, mais il y en a un, là, tiens. Mais et les cales, je les mets dans quoi? Dans un seau? Ouais. Dans un seau ou... Parce que je cherchais, mais j'ai pas de petite boîte. Tu me passes un coup de... Le propeller ici est toujours en bas ou tu prends la petite barrière? Comme vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est plainte. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Je ne vous ai pas filmé parce que c'était pas très photogénique, quoi. Ça aussi, il faudra qu'on occupe ce truc-là. Alors, du coup, on a mis les plinthes, voilà, tout le long, ici. On a fait ce morceau-ci, ce morceau-là, on n'a plus de plinthes, en fait, on ne peut pas. Là, tout le bureau. On n'a pas encore fait les finitions, hein, du tout. Mais là, on a fait tout le bureau, il nous manque juste les petites parties, là. Celle-ci, mais là, on va finir le placo, ici. Comme ça, pour mettre la plinthe que je vais aller chercher demain. J'ai pris les plinthes... qui se vendent par 5 de chez Brico Dépôt, c'était 18,50€ les 5, il me semble. Elles seront pas mal. Hop. Et dans la chambre aussi, ça fait beaucoup plus propre, hein, beaucoup plus fini. Bon, forcément, le plancher n'est pas très droit, il y a certains murs qui sont pas très droits non plus. Mais avec les finitions, avec le silicone, tout ça, on ira avec du feu, puis aussi avec le poids des meubles, je pense que ça va un petit peu s'équilibrer. Si on a fini ce côté-ci, et là on va juste attendre d'avoir fini cette partie-là pour mettre une plinthe complète là quoi. Voilà.